Donc, il est devenu en opération en 1933. Ici, le réservoir il est alimenté par l'usine de traitement d'eau potable qui est la rue de la Fonde, le château d'eau. Donc, il est alimenté gravitairement par une conduite de 30 pouces qui vient alimenter le réservoir. Et par partir d'ici, bien, on vient alimenter gravitairement tout le secteur Basseville, le Bois-Champlain, le secteur Saint-Denis, le secteur Basseville. On dessert environ 50 000 personnes qui vont être desservies à partir d'ici du réservoir. Le réservoir il est arrêté aujourd'hui pour l'installation d'une vanne murale. On va voir la nouvelle vanne murale qui est installée. C'est la deuxième vanne murale là qui permet d'avoir une robustesse un petit peu plus grande. Donc on peut arrêter la moitié du réservoir, réparer la vanne, et on peut arrêter l'autre. L'arrêt de cette semaine puis de la semaine passée est fait pour ça, pour l'installation de la vanne. Après ça, viendra le nettoyage cette semaine, la semaine prochaine, et remise en eau par la suite. Désinfection et remise en eau.